Et nous sommes de retour. J'étais accroupi apparemment. Po. Avant que j'oublie. Donc la dernière fois on a fait beaucoup de choses. La dernière fois on a eu du combat. On a eu du combat. Il est à combien le revolver? 52%. On va commencer à avoir des problèmes avec le revolver. On a combattu un loup, bon on lui a mis, enfin on a combattu, c'était plutôt une élimination, hein, j'ai envie de dire, hein, une élimination, une balle dans la tête, et il s'est couché, voilà. Mais après on a combattu donc un ours, où on lui a mis une balle, on avait une seule balle dans le fusil, après on en a trouvé d'autres. Et après on l'a fini avec 5 balles de revolver, si je me rappelle bien. Donc c'était fun, c'était assez fun. Donc on a récupéré plein de viande, on a pas mal avancé dans les niveaux. On est presque à 4.5, voilà, à peu près le milieu c'est là. Donc ça va, c'est bien. Collecte sur carcasse, pardon. Ça aussi, ça a bien avancé, on est quand même presque à 5. En équipement, on a récupéré, parce que je viens de voir le raccommodage là, donc ça me rappelle. On a récupéré une veste Makinao correct. Enfin bref, une chemise. Qui est, on l'a réparé, on l'a mis en très bon état et elle a des très bonnes stats, donc plutôt cool. Je pense que peut-être à 100% elle aurait genre 2.5 peut-être. Donc voilà, vraiment cool pour ça. Et c'est tout. Voilà, bah, ça fait déjà beaucoup. On a récupéré quelques objets en plus, genre un pied de biche en plus, tout ça. On a trouvé par contre deux pierres aiguisées, je crois bien. Voilà, c'est les deux là, on vient de les trouver, une nouvelle scie. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Par contre, on n'a pas vraiment de nourriture. Il ne reste que 1000 calories. Et pendant que je parle, ça descend, et nous allons mourir de faim. Donc on va y aller. Alors attendez, on va aller où c'est un peu la question. Je pense qu'on va se balader un tout petit peu. Je pense pas qu'on ait fait les... qu'on ait fait tous les... bungalows. Non. Enfin, qui sont autour, là, les aménagements pour les travailleurs, en gros. Je pense pas qu'on les ait tous faits. Donc, on va voir. Parce que je sais plus trop, en fait. Donc on va se débrouiller. Ouh, on a une belle vue. Une belle vue. On va en prendre deux, juste au cas où. On a du vent, par contre. Ici, on y est allé. Hein. Ici, on l'a fait. Celui-là, c'est le grand. Celui-là, on l'a fait. Revolver qui est prêt. On va aller là-bas, je pense. Par contre, on a le vent qui nous pousse. Je sais plus si on y allait à celui-là. Je crois que oui, la dernière fois. On avait couru, en fait, à celui-là. Donc, je pense que oui. Du coup, ouais, mais comment on va le savoir si on est déjà venu? Oui, non, si, c'est avec le lit. Oui, on est déjà venu. Oui, on est déjà venu. Donc ce qu'on va faire, avant que je sorte, je vais attendre un tout petit peu que le temps qu'on se réchauffe. J'ai vraiment envie de manger un steak, en fait, pour avoir les 1000 calories. Enfin bref, on va pas le faire pour le moment. On va aller donc sur notre droite, et on va prendre donc une voiture, et on va rentrer dans la voiture, en fait, pour qui va nous amener sur le pont directement. Et je pense qu'on va essayer de voir si on peut pas trouver donc la mine. J'avais parlé d'une mine. Attendez, on va regarder la carte. Une mine, genre qui était sur ce côté-là, qui faisait en fait connexion dans la même région, évidemment. Ça pourrait être pas mal. Je pense que c'est bien. Donc on va faire ça. Le problème, c'est qu'il fait très froid, en fait, dehors. C'est un peu ça, le truc chiant. Je vais être honnête. Ah, bien. Maintenant, on a un temps tout pourri où on voit rien. Tais-toi, oh, ça va. Gueule pas comme ça, l'oiseau. Mon dieu, c'est quoi cet oiseau? Je vois strictement rien. C'est très sombre, en fait, pour moi. Tr
très très sombre. J'ai l'impression qu'on va avoir une belle tempête aussi. Je vois rien. Attendez, on va courir un peu. J'ai entendu quelque chose bouger ou pas? Et je vois, mais alors, rien du tout, quoi. Oui, mais moi aussi. Hein. J'entends un truc ou je suis fou? Non, je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Oh mon dieu, mais on voit rien. Mais je dois être aveugle, mais j'ai du mal à voir en fait. Ok, on va aller... je voulais continuer vers la route à droite. Mais je vais être honnête. On va monter dans les hauteurs pour aller à la mine. Je me rappelle que la mine, en fait, j'y allais directement grâce à cette sortie là, en fait, à ce pont. Mais par contre, il y a des choses... Ouais, ça doit être là, je crois. Il y a des choses à aller vérifier là-bas. Mais c'est un cul-de-sac, en fait. C'est genre... je vais regarder si là, il n'y a pas des trucs. Ouais, il y a des bois. C'est genre... voiture... des trucs comme ça, en fait. Donc ouais, on peut y aller, mais bon, c'est relou. C'est loin, c'est froid. Ok, on va se réchauffer. Ouais, non, il fait trop froid. Ça, c'est embêtant de pas pouvoir vraiment bien se déplacer. Là, ça m'agace, hein, ça m'agace vraiment. Mais bon, comme ça. Ok, bienvenue en enfer. Encore... Alors par contre, on a 0,79 litres dans la lampe et je crois bien que... Ouais, on n'a rien d'autre. Donc on va devoir faire attention. On va devoir faire attention. Du coup, bon, on n'ira pas voir hein, le côté droit là. On va pas y aller parce que sinon ça va être trop long. Peut-être trop loin, trop dangereux par rapport à notre vie. Après encore une fois, si on pouvait genre manger comme on voulait et tout, ce serait un peu différent. Mais on va pas tenter. Très bien. Ah, et du coup, je crois bien qu'on se retrouve... Ouh ! Ça c'est très très bien. Oh, un revolver. Oh, par contre, je crois qu'il était à quoi, 35%. Ah bah du coup, putain, c'est bien, mais ouais, ça a pesé lourd quoi. Après, on va se retrouver, je crois que c'est près de l'église. Vous savez, l'église qui était brûlée. Donc après, on peut aller où? Ouais, on devrait retourner au... au phare en fait pour récupérer les objets je pense et après on s'en va. C'est un peu bête parce qu'il y a encore des petits endroits en fait à vérifier, mais je vais être honnête, c'est beaucoup de danger en fait. Pour possiblement peu de récompenses. Je vais être honnête. Hein. Donc, bon, voilà quoi. Pas vraiment très très utile d'y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va éviter d'y aller. Après, bien sûr, on reviendra, je pense, hein, quand on aura du meilleur équipement et tout ça. Genre le sac. Et des gros vêtements et tout.
Qu'est-ce qu'on est là, on n'arrive même pas à passer ça, c'est bien. Ok, très bien. Oh, attendez. Non, c'est bon. Ok. K, on est à 50 kilos. Oh non, non, oh non, on est à côté de la porte. On est à côté de la porte, prêt à partir. Oh. On peut faire du feu ici. Ah, on peut faire du feu ici, pardon. Ah, intéressant. On peut faire du feu ici. Par contre, ouais, je voulais poser le charbon. On a trop. Ça c'est bien d'avoir un fire steel, c'est très très bien. Et après on a récupéré aussi un revolver, c'est ça? Ouais, revolver 33%. Il a 3 balles à l'intérieur. Donc on va le décharger. Très bien. Très très bien. On va manger ça. Voilà. Je vais juste sortir, voir un peu le temps. On va prendre un petit goût du temps. Ok, donc ça c'est la mort. Hein, ça c'est la mort de chez mort, c'est bien. Donc on va pas sortir. J'ai vraiment pas envie de retourner en fait au phare du coup. Il y avait quoi au phare? Il y avait des livres je crois. Il y avait des trucs hein, au phare, il y avait des trucs sympathiques. Le mieux ça serait de dormir. Pourquoi? Encore une fois parce que comme ça on n'utilise pas trop de calories. Mais elle est en pleine forme. Donc du coup je pense qu'on va devoir se faire violence. Ah oui, ça souffle bien là. Oh, c'est bien ça. Et je pense qu'on va devoir aller au phare. Aïe, 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 aïe. Je pense qu'on va devoir aller au phare. J'hésite en fait. Je suis en train d'hésiter là. On est à 44 kilos. On peut toujours sprinter. Ah ouais, là on voit que c'est le bordel quoi. Aïe aïe aïe, oh qu'est-ce que c'est relou. Le phare est pas trop loin je crois. On va voir. Parce que je voudrais bien en fait faire le tri au phare. Le phare ça serait genre le point central de la région. C'est quoi ça? Oh mon dieu. Si je me rappelle bien, le phare il est sur la gauche quand on sort. Ok, on est sur la route, très bon. Très très bon. Oui, oui, oui. Là par contre c'est vraiment la connaissance de la map. La map est pas très grande donc voilà, okay. Voiture. La map est pas très grande donc à la limite ça va. Bon, faut qu'on la spectre. Cartouche pour fusil. Hein. Je voyais bien un truc blanc là, enfin une sorte. J'ai cru que c'était, ça faisait partie du manche mais non. C'est vrai qu'on peut regarder derrière aussi, faut que j'y pense à ça.
Ok, où est le phare maintenant? Et là. Oui, oui, c'est bon, c'est le chemin, c'est le chemin. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous voyez, c'est pas très dur, pas très dur. Même si on voit strictement rien, en fait, y a pas beaucoup de chemin ici, en fait. La zone, elle est très étroite, très petite. Hein. Surtout quand vous arrivez sur la route, en fait. Parce que ça fait tout le bord de la rive. Voilà, voilà, on est bon, là, on est bon. Donc, ouais. Tranquille. Par contre, des fois, j'ai l'impression que ça fait un peu peur, enfin pour moi. Genre, l'effet en fait de la neige dessine des silhouettes au loin. C'est un peu étrange. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ou pas quand même? Genre, on dirait, je sais pas, genre le vide. C'est très étrange. Je serais pas vraiment expliqué pourquoi le... Pourquoi ça fait ça exactement, mais... ça fait des formes en fait, et bizarres, et des fois ça fait une sorte de... Ça donne une impression de vide. Donc c'est un peu étrange. Alors, on fait voir ce qu'on avait par terre. Ouais, 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 on a des trucs intéressants. On a des trucs intéressants. Alors, on fait voir déjà. Très bien. Ouais, ça, on va le laisser. C'est comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de... Je suis en train de paniquer en fait. Il faut que je me concentre. Il faut que je me concentre. Très bien. Okay. Les boyons, on va peut-être les jeter parce que ça nous sert pas à grand chose. Surtout qu'ils sont... ça, on va la garder la peau. Surtout que le boyau, ils sont encore frais. Ok, on s'est un peu fatigué. On va dormir. Okay, on va se mettre à côté de la porte. Alors maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec le fusil? Est-ce qu'on le prend ou pas? Est-ce qu'on le prend ou pas? On est à 45-01. On est à 45-01, donc ça veut dire qu'on ne peut plus sprinter. Parce qu'on est à plus de 10 kg au-dessus. Donc ça c'est un problème. On pourrait laisser des choses ici, j'ai envie de dire. On pourrait. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que encore une fois, en fait, cette région, elle est sur la fin de la carte. Donc c'est un cul-de-sac. Donc à chaque fois, pour y retourner, il va falloir... On peut pas, genre, passer... si c'était, par exemple, la Vallée Charmante, c'est un peu le centre. Donc quand on va au canyon descendre, on passe par la Vallée Charmante. Quand on retourne à la Criclu ou on va à la Criclu, on passe par la vallée. Enfin voilà, on fait des allers-retours dans les mêmes zones. Mais le site de désolation, c'est vraiment une zone où on n'y va pas, sauf si on veut y aller. Voilà, donc ça c'est un problème. Donc les objets qu'on va laisser, la plupart du temps, on va seulement tout simplement les laisser et pas les prendre. J'ai envie de dire, à la limite, ce qu'on pourrait faire, ce serait décharger ça, prendre les balles. Et laisser le fusil ici, ça me ferait déjà moins 4 kilos. Et laisser aussi le revolver ici, plus 2 pieds de biche, ça nous ferait 4, 5, 6, 7, 7, 5, 7 kilos 5. En livre, on a 3.
Les trois qui sont intéressants, on peut les garder. Après, on a un peu de feu, on peut le jeter aussi. Ouais, moi. On va voir. On va voir. Donc, ça serait ça. Tac. Une scie aussi. Ça, on va le garder. Toc. Très bien. Donc, le revolver. Là, le fusil qu'on va... Je voudrais bien pouvoir le... Genre le mettre contre... Est-ce qu'il vole, là? Je crois qu'il vole. Attendez, c'était quoi les touches déjà pour... Oh mon dieu. Je suis en train de faire... passer le truc à travers. La lampe est en train de se vider de son kérosène. Je fais n'importe quoi. N'importe quoi. On va éviter de faire ça comme ça. Allez. On va le mettre là, comme ça. Ah, très bien. Je suis en train de perdre du temps pour rien. C'est énorme. Oh là là. Ça. J'aime bien que ça soit rangé, les choses. Hein. Voilà, on va pas me chercher. Hein. C'est quoi ça? Non, c'est juste de la lumière. Ah, très bien. Ok, ça s'est un peu calmé. On va quand même... Ah, c'est bon, on voit quand même quelque chose. On va quand même dormir le plus possible. On est à ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On est à combien? Ah, ouais, à peine 300. Ouais, non, il nous faudra un peu plus quand même. J'ai envie de dire, on pourrait manger un truc avec une fusion de cul. Si jamais on tombe malade, on est tellement dans la merde. Ok, let's go. Donc il faut tout manger en une fois, parce qu'en fait, là vous avez genre 1% de chance, donc causé par la viande infectée, les chers animaux carnivores susceptibles d'être infectés par des parasites, donc évitez de manger à nouveau de la viande animale carnivore. Donc en gros, il faut manger un gros steak, parce que si vous mangez par-dessus... alors que vous avez les parasites, le pourcentage va augmenter. Et la maladie, en fait, va se déclencher quand vous dormez. Alors, un truc qu'on pourrait faire avec nous... Attendez, on va boire. Un truc qu'on pourrait faire avec nous, ce que je viens d'y penser, ça serait... vu qu'on dort pas trop, la meilleure chose, ça serait, en fait, d'en manger et de pas dormir. Après, vous me direz si ma logique est bonne. Hein. Vous me direz si ma logique est bonne. Ok, on est bon. On n'a rien d'autre à prendre. Ok, on y va. On rentre à la maison. Après, vous me direz si ma logique est bonne. Mais, en gros, c'est que pendant que vous avez les parasites, en fait, vous risquez rien. Les parasites ne vont pas, eux, vous faire du mal. Ah, très bien, on voit un peu mieux. Ne vont pas, eux, vous faire du mal. C'est juste, on vous indique que vous pouvez tomber malade. Vous pouvez tomber malade. Ça va être le fun pour partir. Et vu que pour nous, on n'a pas vraiment besoin de dormir parce qu'elle est très, très résistante. À la limite, j'ai envie de dire qu'on pourrait rester 24 heures éveillé. Non ? Parce que les parasites, en fait, s'estompent au bout de... Je crois que c'est 24 heures. Ou c'est 12 heures. C'est 12 ou 24 heures. C'est l'un ou l'autre.
Bon, c'est un peu le double à chaque fois, mais je sais pas, c'est l'un ou l'autre, c'est où, 12 ou 24 heures. Et du coup, pour nous, ça pourrait être intéressant, parce que on n'a pas vraiment besoin de dormir pendant 12 heures. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au moment que vous dormez, en fait, que vous allez possiblement vous réveiller malade. C'est ça la chose, en fait, à savoir. On est allé voir ces bateaux, là. On va y aller. Ouais, c'est quand vous dormez que vous allez vous réveiller malade. Potentiellement. On va partir. Moi, je pense que... J'ai envie de dire que je pense qu'à la limite, on pourrait faire en sorte de manger, ne pas dormir. J'arrive pas à monter, c'est tu. Et voilà. La stratégie, tout ça. Il n'y a personne, ça va. J'entends du bruit. Évidemment, parce que pourquoi pas, sinon c'est pas drôle. Hein. Sinon c'est pas drôle, sinon ce n'est pas drôle. C'est so cold. I'm gonna lay down for a bit. On va passer par là. Il y a des lapins. Faire ça. Avec tout le bordel qu'il y a là, avec l'église, les croix et tout machin, tu vas pas me dire que le loup il va trouver un moyen de passer quand même. Ne dis pas qu'il est aussi intelligent que ça. Voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais, saloperie. Et oui, hein, t'es bête le loup. Eh ben oui, t'es bête. Mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors après, je crois par contre d'avoir les... Ouais, on est passé par là. D'avoir les parasites... le seul point négatif que ça donne, c'est que votre vie remonte pas trop en fait quand vous dormez. Je crois bien, parce que vous avez vu que là on a dormi au moins, je sais pas, 2-3 heures quand même. Et on a quasiment rien récupéré. Donc je sais pas si ça le stoppe pas complètement, la régène. C'est possible que ça la stoppe en fait complètement la régène. Ou alors, c'est juste moi qui pense ça. Ouais, je suis en train de me dire que peut-être ça vaut le coup. Hein. Oh. De manger de l'ours. Ah. Si ma technique est bonne, ça peut être vachement intéressant. Ça peut être vachement intéressant pour nous. Si vraiment ça marche bien. Le fait de si on dort pas, on n'est pas vraiment malade. La cuisine. Ah, on a plein de charbon ici aussi. On a plein de charbon partout, honnêtement. J'aurais dû peut-être en prendre du charbon. On va en prendre juste au cas où.
putain, on en a plein. Oh. On pourrait même, à la limite, se gaver, se goinfrer. Genre prendre même un deuxième steak par-dessus. Les pourcentages augmenteraient, mais... Mais faut être sûr de pas dormir. Et du coup, en fait, normalement, on mange avant de dormir pour augmenter nos calories. Là, en fait, on fera en sorte de dormir avant, comme ça on est en pleine forme. Et après, on mange quand on se réveille. Et c'est là que, bah, du coup, après, on touche plus, quoi. On se fatigue pas, on touche à rien, quoi. On fait des trucs doucement. Vraiment pour pas dormir. Ah non, ça peut être pas mal. On va tellement avoir un problème avec le kérosène, on en a plus. Enfin non, je crois qu'à la maison on en a quand même. Je crois qu'il nous en reste quand même un peu. Il doit nous rester un jerrycan. Oui, non, si, on était venu ici avec... genre 1 litre 5, un truc comme ça, je crois. J'avais fait un transfert en fait de jerrycan. 1 litre 5, juste si jamais on en trouvait. Au final, bon, on a trouvé 2-3 trucs, mais c'est pas beaucoup. Donc, ouais. Ok, très bon. Quitter la mine. On est bon. Ouais. Donc maintenant... Ah oui, on a cette zone pourrie là à faire d'abord. Ah, parfait. J'aime pas ce passage. Restons à l'affût. Restons à l'affût. Là, il y a du grabuge. Jamais venu là ou quoi? C'est moi ou j'entends un ours? My fingers feel numb. Moi ou j'entends un ours? Non. Vous savez quoi? On va se réchauffer ici. On va se réchauffer là. M'inquiète un peu cette histoire. M'inquiète un peu. J'ai l'impression d'entendre vous savez, les bruits de pas là. Oh, yeah. Qui frottent un peu sur le sol. Mais normalement non. Non, c'est pas un ours. C'est pas un ours. Tout va bien. Ah, très bien. Voilà. Donc ok, on va se... Ça réchauffe. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire? On peut faire ça. C'est juste en fait l'histoire de se réchauffer, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est vrai que j'ai envie de manger le deuxième steak, moi honnêtement. J'ai envie de faire des tests. Puis après on va se foutre dans la merde et du coup on va mourir et tout ça. Mais j'ai tellement envie de tester. C'est tellement con ce que j'ai envie de faire.
On va faire 2 non pas ça. Faire 2 Reishi. Cuir, Reishi, fondre et cuir, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant genre 15 minutes? Est-ce que... Attends, on va repasser par là, c'est mieux, les vêtements. Ça. 30 minutes. Oh, raccommodage novice. Cool, c'est cool, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a gagné? Raccommodage. Alors 65% de chance de réussir du raccommodage, 32 raccommodage, moins 10%. Donc on peut voir un peu. Ah ouais, non, mais c'est à 100% maintenant. Ok, donc très bien. Donc on va prendre ça. On va laisser ça. On va reprendre ça aussi. Ok, très bon. Et ça, on va le boire. Voilà, on y va. Voilà. On aurait dû peut-être prendre plus de torches. Je sais pas. Pas trop courir parce qu'il y en a un peu à droite à gauche. Et... Où ça? Ah, je crois qu'il y en a un qui allait attaquer un lapin. Je voudrais en fait passer par là. Voir s'il n'y a pas des... Il n'y a rien du tout. Genre des choses à récupérer. Je sais qu'après on a un bâtiment là-bas. Je sais pas, on s'en fout un peu. Genre sur la rive, est-ce qu'on a quelque chose? C'est vrai que j'ai plus besoin de faire ça. Complètement oublié. On a plus besoin de faire ça, on peut passer par le menu radial. C'est tout simplement pour avoir chaud en fait. Pour avoir chaud. Puis c'est sympathique de sortir avec une torche. D'accord. On est d'accord. Faudrait qu'on boive le deuxième thé là, qui est chaud. Toujours pas d'indicatif pour dire que c'est chaud, hein, évidemment. On pourrait mettre une... genre, vous savez, des ondes qui ondulent dans le petit coin, en fait, de l'icône. Ça mange pas de pain, c'est pas difficile à faire, hein. Juste un JPEG transparent, tout ça, enfin... B... je sais plus. Et voilà. Et oui, c'est facile de coder les jeux, hein. Balancer un JPEG, machin, et hop, des lignes de code, et hop, c'est fini. Ça passe. C'est très très simple. Non, mais voilà, ça peut être sympa d'avoir un indicatif. Non, mais ça va, on vient d'arriver dans la zone, il y a déjà des loups qui gueulent, quoi. Mais oh. Panique ici. Ah, on a récupéré tous nos... Ouais. Okay.
Je vérifie toujours maintenant. Ça, c'est depuis que la dernière saison, en fait, je crois. Où je commence à vérifier peut-être un peu trop souvent, en fait, l'inventaire. Car j'oublie des choses. Même pendant cette saison, j'ai encore oublié des choses à certains endroits. Donc c'est un peu un problème. C'est un peu un problème. Là, on est bon avec torche plus réchauffement, on est nickel. On peut bien marcher. On va couper, on va voir un peu. Je vois des trucs qui bougent ou pas. Non. Ça a l'air ok. Putain, il m'a fait peur, c'est un lapin. Mon dieu. Quel truc à la con. Ah, il m'a complètement fait peur. J'ai cru que c'était un loup. Honnêtement, j'ai cru que c'était un loup. Ouais, bon, un peu petit, mais... j'ai cru que c'était un loup. Genre un loup qui rampe, vous savez. Genre qui... Genre, vous voyez, des fois, les chiens, ils s'amusent à se mettre... genre à s'allonger. Et ils essayent d'avancer comme ça, en rampant. J'ai cru que c'était un loup qui faisait ça. Genre, je me suis dit, regardez, ils ont évolué. J'en vois un là-bas, par contre. On voit un là-bas. Oh oui, ça sent bien ça. Un truc qui est bien aussi, quand vous entendez des loups gueuler, ceux-là ils viennent gueuler par exemple, vous changez votre vue de direction. Parce que vous entendez, il y en a même un deuxième, vous entendez à droite et à gauche, mais quand c'est devant ou derrière, c'est un peu plus compliqué, hein, savoir d'où vient le son. Mais en fait c'est la même chose dans genre Escape from Tarkov, encore une fois j'aime bien parler de ce jeu. Même si j'y joue plus vraiment en ce moment. Mais vous changez votre vue et vous entendez quel côté, droite ou gauche. Ça rend les choses un peu plus simples pour savoir la direction. Ça, on l'a sûrement fait. On va pas y aller. Je commence à plus voir grand chose. Ouais, ouh, le brouillard se lève. Ouh là là là, on voit même plus la route. Attendez. On va continuer vers là, parce que je sais que la route était vers là. Mais on voit plus grand chose. Sans déconner. Qu'est-ce que c'est que ça ? À 100% qu'on allume. Qu'est-ce que c'est que ça? Où on est? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Merde! Droite ou gauche? Merde. Est-ce qu'il y a des bâtiments? Ok, on est bon, on est bon. On est du bon côté. On va en profiter. Oui, avec la niche du chien. Oui. Chut. Oh mon dieu. Il est là, ok, je le vois.
Et oui, on est de retour, hein. T'as vu, hein. Je pensais qu'on serait pas de retour et... T'es heureux, hein. T'es heureux de nous voir, hein. Go. Non mais elle est où la station service là, c'est pas drôle là par contre. Non mais on n'est pas du tout à la station en fait. Ah, j'ai dû la passer comme un idiot. Heureux qu'on a la torche. Là, à droite, à gauche, pardon. Non, mais on est passé derrière la station et je l'ai pas vu. Il dit quoi le panneau là? Oui, c'est bon, on est là. Mais on était pas, on est passé derrière en fait, la blague. On est vraiment passé derrière la station en fait. Oh, par contre, faut qu'on mange. J'ai vu que c'était rouge. Ah bah elle est bien bonne celle-là. Elle est bien bonne celle-là. On est passé tellement large que en fait ouais on est vraiment passé derrière la station et vu qu'il faisait du brouillard énorme on n'a rien vu. On a strictement rien vu. Je devrais pas manger tous ces... Enfin non ça passe mais... Ouais, les boîtes de conserve, on va pas les toucher. On va pas les toucher. Ok, très bien. Tap, tap. Eh ben, j'ai rien rangé, hein, depuis la dernière fois. J'avais dit que, ouais, mais je rangerai, vous inquiétez pas. Oui, ben, on a strictement et vraiment rien rangé du tout. Donc, ben, je vais en profiter. La prochaine fois, je vais ranger des choses. Je vais ranger quelques trucs parce que là c'est, hein, c'est un foutoir monstre. Hein. Je vais pas dire mais c'est une honte, c'est vraiment une honte. Tac tac tac. Les balles oui mais des Panzani. Alors elles sont où les... Est-ce qu'on avait un fusil ici? Ouais on a un fusil. Fusil qui est à 67%, très bien. Ok, très bien. Dix balles dedans, et là, on pose une, et oh, on a 70 balles de revolver. Là, c'est cool, le revolver, il y en a quand même beaucoup à chaque fois. C'est vraiment cool. On va en poser 40. On va en poser 40. Ça fait beaucoup, 30 balles. Hein. Ça fait quand même beaucoup. Ça, on n'en a pas besoin aussi. Tous les livres, il faudrait les poser aussi. On va faire, je ferai un étalage. On a les douilles. Douilles, très bien. Poing. Poing. Ça aussi. Très bien. Ici, on a ça. Ah, on a du feu de côté. C'est très bien aussi. Très bien. Donc, on va les mettre là. Charbon. On a un livre en plus. On a pas mal de choses. Il faut vraiment que je prenne le temps. Je pense que pour le prochain épisode, je prendrai une petite heure pour tout ranger, pour que ça soit joli. Par contre, j'ai un peu peur que ça me foute un peu dans la merde niveau calories. Faut que je vois ce qu'on a mangé derrière. Parce qu'on n'a pas trop de calories. Mais ouais, il faut que je range. Il faut que je range, honnêtement. C'est quoi? C'est que du loup, ça. Est-ce que du loup?
Oh là là. Ça va, quoi, ça va. J'ai envie de dire, peut-être que je vais pas dormir. Peut-être que je vais pas dormir exprès, parce qu'on a encore les parasites. Peut-être que je vais pas dormir parce qu'on a encore les parasites. Si je dis pas de bêtises. Oui. Donc je vais un peu attendre qu'ils disparaissent en fait. Ouais. Le temps, je vais ranger. Je vais attendre. Je crois que je vais faire ça. C'est plus sûr quand même. C'est plus sûr. Et on va pas dormir. On va pas dormir parce que j'ai un peu peur. En fait, je dors pour la plupart du temps, c'est pour mettre fin à l'épisode, en fait. Mais là, bah oui, c'est un peu spécial, hein, on est d'accord. Donc on n'a pas trop besoin de dormir, donc ne pas... Pourquoi tenter le diable, hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, très bien. Okay. Très bien. Ça. C'est très bien, on le garde. On va en déposer 50 des balles. Ah oui, c'est vrai qu'on peut les recycler aussi. Ça, j'ai oublié encore. On en recyclera peut-être. Genre les recycler pour les recrafter. Ça vaut le coup ou pas? Genre ça nous fait monter de niveau quand on sera à la crique lugubre. Je sais pas si ça vaut le coup de faire ça. Après, je crois qu'on va crafter que des balles qui sont de très basse qualité. Mais bon, du coup, ça pourrait nous donner ouais, de l'expérience, quoi. Ça peut être intéressant. Bon, bah voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Donc, ça fait plaisir. On a un gibier cuit, on va le manger. Ça fait très plaisir, on est en bon état. On a deux bouteilles d'eau. Très bien, très bien. On en a une violette. Celles-là, elles sont vides, vides. Ah, quoi que cela, non. Ça, on la prend. Là, on a tisane de bouleau. Et là aussi, on a de l'eau potable. Sympa d'avoir une violette comme ça. Je trouve ça cool. Ah, très bien. D'accord, c'est pas du tout ça que je... Oh mon dieu, je l'ai mis entre les bois. Aïe 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 aïe. Ah, très bien. J'ai envie de faire ça aussi, transférer. On va pas faire la même erreur deux fois. Voilà. Très bien. Ok, bah du coup on va pas dormir. Moi je pense que je vais prendre du temps pour faire le ménage. Enfin pas faire le ménage, mais voilà, pour faire un truc un peu plus joli et tout ça, genre entasser les livres et conneries comme ça. Ça peut être sympathique. Et puis après, bah, la prochaine fois, on continuera notre petite aventure. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Je vais réfléchir. Je sais pas trop où aller. Je vais être honnête, je sais pas trop où aller. On est de retour à l'autoroute côtière. Nous, on venait du lac Mystère. J'ai bien envie de faire un tour à la vallée charmante. Mais je voudrais avoir des outils. Ah non, bah non, on fera les outils. Ouais, on ira faire les outils. C'est-à-dire que la prochaine fois, si tout se passe bien, si je suis d'aplomb, on partira de l'autoroute côtière, on retournera au lac Mystère. Et au lac Mystère, on se préparera, genre on prendra plein de morceaux de métal, du tissu et tout ça. Et on ira à Muskeg Morne pour crafter nos outils. Donc c'est-à-dire couteau improvisé, hache, peut-être deux de chaque, pas encore sûr. Et après, des pointes de flèches à foison. Voilà. Et pour nous défendre, on prendra un revolver et des balles. Ouais, je pense que ça sera vraiment cool.
Je pense que ça sera vraiment cool comme aventure. Ouais, c'est l'heure de faire les outils, parce que les outils, on les a mis de côté depuis un petit moment. Donc c'est l'heure de faire les outils. Donc ce que je vais faire, moi je vais sortir et rentrer pour que ça sauvegarde, parce qu'on a encore mal. J'ai pas envie de dormir, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de dormir encore. Ah, et voilà, j'en profiterai pour nettoyer tout ça, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, très bon week-end. Et portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.